I'm not guilty. And may God have mercy on my soul. Into thy hands, O Lord, I command my soul. Nous sommes en plein cœur du régime de Duplessis, de ce que les historiens appelèrent plus tard la Grande Noirceur. L'affaire Coffin prend la dimension d'une véritable bataille contre le gouvernement de l'Union nationale et contre son système policier. Le journaliste montréalais Jacques Hébert publie deux pamphlets virulents. Coffin était innocent et J'accuse les assassins de Coffin, où il clame bien haut l'innocence de Coffin. Le débat coïncide aussi avec un important mouvement contre la peine de mort qui se développe partout dans les pays occidentaux. Le nouveau gouvernement Lesage, quelques 10 ans après le procès, sous la pression des élites libérales de l'époque, institue une commission royale d'enquête pour répondre essentiellement à une question. Coffin a-t-il eu droit à un procès juste? Encore aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, l'immense majorité des Québécois garde à l'esprit cette image forte et tenace de Coffin, un innocent qui marche vers l'échafaud. Mais dans cette cause que nous avons tous l'impression de bien connaître, une pièce centrale demeure étrangement méconnue, le procès lui-même a percé. Que s'y est-il passé exactement pendant ces 19 jours? Lui, c'est son père. Les Coffin font partie de la petite communauté anglophone d'ici. Ils sont pas bien ben nombreuses, les familles anglaises dans le coin. Pas pour rien qu'ils ont eu autant de misère à former un jury bilingue. Pas vraiment bilingue, M. Champoux. 6 français, 6 anglais. Messieurs les procureurs de la Couronne, Maître Dorion et Miquelon. Messieurs de Défense, Maître Maire et Gravel. Le procès s'est déroulé majoritairement en anglais, les interventions en français étant traduites pour les jurés anglophones. Le 6 juin 1953, 3 chasseurs américains, Eugene Lindsay, son fils Richard et un jeune ami de la famille, Frederick Clarr, partaient de Hollidaysburg en Pennsylvanie pour venir chasser l'ours dans la région de Gaspé. Ils entrèrent dans la forêt, dans cette région, le 8 juin, et on n'entendit plus parler d'eux. Après quelques semaines, leurs familles s'inquiétèrent. Au début de juillet, des recherches intensives commencèrent en vue de les retracer. Les 14 et 23 juillet, on retrouva enfin les 3 cadavres dévorés par les ours. La Couronne vous démontrera qu'il y a eu meurtre. Le jury notera que Wilbert Coffin n'est techniquement accusé que du meurtre de Richard Lindsay. En effet, le cadavre du jeune Lindsay est le seul des 3 à porter des marques d'agression. Monsieur Roussel, en tant que médecin légiste, vous avez été appelé à examiner les ossements que vous voyez sur ces photos produites comme exhibit P79. Oui, monsieur. Il était évident qu'il s'agissait des os d'une personne de sexe masculin.
L'âge a pu être déterminé de façon précise par l'examen à la fois du crâne, de la mâchoire inférieure et des os du bassin. L'absence de soudure indiquait que cette personne n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. L'état desséché des ligaments et la décomposition malodorante de la moelle m'indiquent que la mort devait remonter à au moins un mois avant la découverte du corps. On vous a aussi présenté des vêtements qu'aurait pu porter la victime? Oui, monsieur. J'ai remarqué une perforation circulaire qui apparaissait à la partie supérieure gauche de la veste. Les examens en laboratoire de médecine légale à Montréal ont montré que cette perforation est le résultat du passage d'une balle d'arme à feu grâce à la présence de plomb autour de l'orifice. Où était situé ce trou sur le vêtement? L'emplacement de cette perforation correspond à l'endroit où l'on trouve le poumon et la partie supérieure du cœur, deux parties vitales de notre corps. En conséquence, on peut conclure que la personne qui portait ce vêtement a bien reçu un projectile qui a été la cause de sa mort. Docteur Roussel, vous dites avoir trouvé du plomb autour de l'orifice. Y avez-vous aussi trouvé du potassium? Objection! La question est suggestive. Vous n'avez pas trouvé de potassium? Non, monsieur. Monsieur Roussel, vous avez analysé des cartouches de calibre 32-40? Oui, monsieur. La poudre des cartouches 32-40 a la particularité de ne pas contenir de potassium. Avec quelle marque d'arme à feu tire-t-on la balle 32-40? Avec une carabine Marlin. Vous dites, monsieur Roussel, que vous n'avez pas relevé de potassium sur les objets examinés par vos soins. Fort bien. Mais faut-il dire qu'il n'y a pas eu de potassium parce que vous ne l'avez pas trouvé? Je dis simplement, maître Maher, que je n'en ai pas trouvé dans les tissus examinés. Il est donc possible de croire que le potassium aurait pu disparaître sans laisser de traces? Par la pluie, par exemple? C'est improbable. Mais pas impossible. C'est chose possible. Madame Lindsay, quand avez-vous vu votre mari et votre fils pour la dernière fois? Le soir du 5 juin 1953. Madame Lindsay, voulez-vous examiner cette carte postale exhibit P1 et la lire pour la cour? Allô, Mom. Il fait vraiment froid ici. Nous sommes prêts à entrer dans le bois demain. Tendresse. Et c'est signé Dick et papa. Merci. Ce sont là les dernières nouvelles que vous ayez reçues de votre mari et de votre fils. Oui. Votre mari a-t-il apporté un Kodak avec lui pour sa partie de chasse? Oui, monsieur. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner cette photo et dire à la cour si vous reconnaissez les personnes qui y sont? Les reconnaissez-vous? Celui de droite, c'est Dick. Mon fils. Et l'autre? Il s'agit de mon mari. Madame Lindsay, quand avez-vous commencé à vous inquiéter? Environ 5 jours après la date prévue de leur retour. Mon mari restait parfois plus longtemps quand il allait à la chasse. Il aimait tellement ça. Mais plus les jours passaient, plus je me disais qu'il était arrivé quelque chose de pas normal. Madame Lindsay, pourriez-vous examiner ce couteau et dire à la cour si vous l'avez déjà vu avant? Oui, il appartenait à mon fils Richard. Il l'avait reçu de ses cousins. Savez-vous si votre fils tenait à ce couteau? Oh, certainement, monsieur. Il y accordait beaucoup de valeur. Il rêvait d'en avoir un pareil depuis longtemps. Pouvez-vous dire à la cour si votre fils a amené ce couteau avec lui pour sa partie de chasse? Oui. Je l'ai vu le mettre dans ses bagages juste avant qu'il parte. Est-ce que votre mari ou votre fils ont amené avec eux des lunettes d'approche? Oui. Mon mari venait de les recevoir en cadeau des cousins en même temps que le couteau de mon fils. Bien. Merci, Madame Lindsay. Monsieur Doyon, vous êtes sergent de la police judiciaire de Gaspé.
Lors de vos recherches pour retrouver les Américains, êtes-vous entré en contact avec l'accusé? Oui, le 20 juillet, quand il est revenu de son voyage à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre rencontre avec Coffin? J'ai demandé s'il avait été en contact avec les trois Américains au début du mois de juin. Il m'a répondu qu'effectivement, ils avaient rencontré le matin du 10. Là, j'ai demandé s'il voulait qu'on refaire le même trajet qu'il avait fait avec eux autres. Il a accepté. J'ai pas pu monter parce qu'il y avait une camionnette en panne en haut de la côte. Trois hommes sont descendus me voir à pied. Ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Quelle heure qu'il était? De bonne heure le matin. J'allais faire du prospectage un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, je suis allé avec le plus jeune au garage qu'à Gaspé pour essayer de faire ranger la pompe à gazoline. Après, on est revenu vers 4-5 heures de l'après-midi. Il y avait un Jeep près de la camionnette. Un Jeep américain avec une licence américaine. Qui c'était, ça? Deux autres Américains, des chasseurs d'ours aussi. On a lunché ensemble, toute la gang. Puis, tu te rappelles pas de leur nom? Je m'en souviens pas. En tout cas, il y avait un Jeep en plywood en venir jaune. Ah, puis ensuite? Ben, le plus vieux des gars que j'avais dépanné a sorti son porte-monnaie, m'a donné 40 piastres en argent américain. Ça fait que je suis allé un peu plus loin faire du prospectage. Une chance que j'avais des chaînes. J'aurais eu de la misère à remonter à la côte. Tu les as jamais revus après? Non, mais le surlendemain, je suis passé par ici. La camionnette des Américains était toujours là. Il n'y avait personne aux alentours. Hmm. Ça fait que j'ai entendu une couple d'heures. Après, j'ai pensé qu'ils étaient peut-être partis chasser avec les deux autres de la Jeep jaune. Ça fait que je suis remonté à Gaspé. Tu les as jamais vus après? Non. Maintenant, à propos de ce Jeep dont vous a parlé Coffin, en avez-vous vu quelques traces? Non, il y avait aucune trace d'imprimé comme celle des chaînes de la camionnette à Coffin. Merci. Vous dites que vous n'avez pas retrouvé de traces de Jeep. C'est exact. Vous êtes allé sur les lieux plus d'un mois après. Est-ce possible qu'un Jeep qui est emprunté cette direction s'enchaîne, n'ait pas laissé de traces ou que les traces auraient été effacées? Ben, c'est difficile à répondre. Est-ce possible? C'est peut-être possible. Merci. Vous nous dites que Coffin vous indiquait les traces de chaîne comme étant les siennes. Ah, c'est exact, oui. C'est lui-même qui nous les montrait. Vous savez, au mois de juin, c'est encore la fonte des neiges par là-bas. La terre était bien humide. Monsieur Doyon, si la terre était humide pour le camion de Coffin, est-ce qu'un Jeep, passant à la même place dans les mêmes conditions, n'aurait pas normalement laissé des traces? Probablement. Parce que vous savez, les marques de pneus de Jeep, c'est fait comme en V. Il n'y en avait pas. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. La séance est ajournée. Ce témoignage fut accablant pour Coffin. Mais quelques mois plus tard, Doyon, devant des journalistes qui l'interrogeaient, modifia sa version des faits et alla même jusqu'à affirmer qu'il était personnellement convaincu de l'innocence de Coffin. Pourquoi ce retournement? Pour certains, comme Jacques Hébert, Doyon fut victime de ses supérieurs qui auraient cherché à le bâillonner. Par contre, la commission royale d'enquête fut d'avis que le policier était plutôt incompétent et rebelle face à l'autorité. Monsieur MacDonald, avez-vous fait du prospectage avec l'accusé durant le mois de juin 1953? Oui. Coffin avait-il une arme à feu à cette période? Non, monsieur. Il avait perdu son permis. Bon. Après votre prospectage, vous êtes revenu à Gaspé, n'est-ce pas? Oui, vers 4 heures de l'après-midi. Y a-t-il eu une entente entre Coffin et vous pour le jour suivant, le 10, jour présumé du meurtre? Ah oui, on s'est dit qu'on ferait un autre essai de prospectage le lendemain matin. Où et à quelle heure deviez-vous rencontrer Coffin le matin du 10? À 6 heures, chez son père à York Center. Et avez-vous rencontré Coffin le lendemain matin tel que prévu? Non. Je suis allé chez son père, mais on m'a dit qu'il était déjà parti depuis 3 heures. Je l'ai revu bien plus tard, vers la mi-juillet, du temps où on faisait les recherches pour trouver les Américains. Merci. Merci beaucoup, M. MacDonald. M. Eagle, selon la liste d'enregistrement des armes à feu,
Vous en possédiez trois durant l'année 1953. Exact. Pouvez-vous dire à la cour quelle est la première arme inscrite à votre nom sur cette liste? Excusez-moi, je peux pas voir, j'ai oublié mes lunettes. Ah, celles-ci peuvent peut-être vous aider. Une carabine Marlin 3240. Monsieur Eagle, avez-vous encore cette arme en votre possession? L'avez-vous encore? Est-elle chez vous? Non. Savez-vous où est cette arme? Non. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? En mai 1953. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Je l'ai prêté. Ah, à qui? À mon chum Wilbert Coffin, pour la chasse à l'ours. Et vous n'avez jamais revu votre Marlin 3240 depuis? Coffin ne vous l'a jamais remis? Non. Jamais? Non! Merci, Monsieur Eagle. Monsieur McGregor, vous rappelez-vous avoir vu l'accusé un certain soir de juin 1953? Oui, monsieur. C'était un vendredi soir, le 12, vers l'heure du souper. 48 heures, donc, après le jour présumé du meurtre. Veuillez raconter à la cour ce que vous avez vu. J'étais à sa galerie chez mon beau-frère quand Bill... Wilbert est arrivé en camionnette. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la camionnette de l'accusé? Il y avait des bagages en arrière. Allez, dites-nous ce que vous avez vu. Des sacs, des ustensiles, des casseroles. Puis aussi... le canon d'un fusil. Le canon d'un fusil. Ah bon? Monsieur Hamel, voulez-vous nous dire si, l'an dernier, à l'occasion de l'enquête du coroner, vous êtes venu dans la région de Gaspé en rapport avec l'affaire Coffin? Oui, monsieur. Objection! Il s'agit d'un secret professionnel. Le témoin est un employé de la défense. Je vous demanderai, messieurs du jury, de vous retirer jusqu'à ce que j'aie pris une décision sur l'admissibilité de ce témoignage. Où est-ce qu'est Maître Mère? On a besoin de lui. Je sais pas où il est passé, Dad. L'avocat. Monsieur Hamel, pendant l'enquête du coroner, êtes-vous allé au chalet de Coffin? Non, monsieur. Vous jurez que vous n'êtes jamais allé au chalet de Coffin? Non, monsieur, je sais pas où il se trouve. Êtes-vous, soit seul ou avec d'autres, allé chercher une arme à feu quelque part dans le bois? Non, monsieur. Monsieur Hamel, vous rappelez-vous avoir fait des déclarations aux policiers Matt et Mercier à Québec? J'ai jamais fait de déclaration. D'avoir fourni certaines informations. Ne jouez pas sur les mots. J'ai jamais donné aucune information. Monsieur Hamel, je vous mets en garde. N'avez-vous pas déclaré que vous vous étiez emparé d'une carabine? Je me suis jamais emparé d'une carabine. Que vous l'aviez apportée dans l'automobile de Monsieur Maire? Jamais, monsieur. Que la carabine, vous l'aviez, vous et Monsieur Maire, rapportée à Québec? Non, jamais, monsieur. Que vous étiez allé sur le pont de Québec avec Monsieur Maire? Jamais. Et que là, la carabine serait disparue dans le fleuve? Jamais, monsieur. Vous n'avez jamais déclaré ça? Jamais, monsieur. Vous avez l'habitude des cours de justice, Monsieur Hamel. Oui, monsieur, vous me l'avez déjà demandé. Vous avez un joli record. Objection. Accordé. N'avez-vous pas déclaré que Coffin vous aurait raconté qu'il avait tué les Américains et la manière dont il avait procédé? Non. Alors, pour plus de précision, n'avez-vous pas déclaré que Coffin avait raconté en votre présence qu'il était entré en forêt avec le jeune Lindsay après son retour de Gaspé, qu'il avait offert au père de transporter les jeunes au camp 26 ainsi que leurs bagages, et que Lindsay a accepté? Jamais! Et n'avez-vous pas déclaré aussi, faisant suite à ceci,
que Coffin aurait tué en premier lieu Clark, puis une première balle dans les reins de Richard Lindsay, puis une deuxième, et qu'à son retour, il aurait jeté certains effets des Américains pour finalement abattre Eugene Lindsay dans le dos. Jamais! Capitaine, est-ce que vous avez été mêlé à l'affaire Coffin? Oui, c'est moi qui ai dirigé l'enquête. Voulez-vous nous dire si en mai dernier, vous avez eu un téléphone d'un dénommé Jean-Guy Hamel? Oui, il m'a appelé chez moi, c'est ma femme qui a répondu. Il voulait me rencontrer. Il m'a dit qu'il était l'employé de Maître Maher, mais qu'il n'était plus à son service depuis la fin février. Qu'a-t-il dit quand vous l'avez rencontré? Il m'a dit qu'il craignait beaucoup, s'il me parlait ou me disait ce qu'il avait à me dire, craignait être victime de représailles. Il m'a dit qu'il avait la clé du mystère de Gaspé. Et où la rencontre a-t-elle eu lieu? Hamel trouvait que c'était dangereux de rester au quartier général de la police, parce qu'il avait peur de tomber par hasard sur M. Gravel. On est donc sorti par l'arrière et on est allé avec le sergent Mercier dans un restaurant, dans une section à l'écart. Après, on a continué tous les deux notre discussion dans ma voiture, sur les plaines d'Abraham, sans Mercier. Là, il m'a raconté qu'il était allé au chalet de Coffin avec M. Maher, qu'il avait trouvé une carabine. Il m'a dit, d'ailleurs, vous la trouverez pas, est ici. Il montrait le fleuve. Il m'a dit qu'il s'était rendu au milieu du pont de Québec, que M. Maher était descendu de la voiture avec la carabine. Il est allé retourner la voiture au bout du pont, et quand il est revenu, Maître Maher avait plus de carabine. Hamel vous a-t-il dit autre chose? Je lui ai demandé, à son avis, quel pouvait être le mobile du crime. Il m'a dit que l'accusé avait tué les Américains parce qu'il les pensait beaucoup plus argentés qu'ils ne l'étaient en réalité. Objection. Objection maintenue. Et comment s'est terminée votre rencontre? Hamel m'a dit que si je voulais ses notes d'enquête, qu'il les avait chez lui, qu'il me les donnerait le lendemain matin. Est-il retourné, comme convenu? Non. Le lendemain matin, j'ai eu la visite de ses procureurs, Maher et Gravel. Le témoin est à vous. Capitaine Matt, au téléphone, Hamel vous a déclaré qu'il voulait se venger de M. Maher, c'est ça? Oui, votre seigneurie, qu'il avait sa chance et qu'il la prenait. Capitaine Matt, saviez-vous que le témoin était à l'emploi de l'un de nos confrères, Maître Maher? Honnêtement, je ne savais pas s'il était étudiant ou réellement employé par vous ou Maître Maher. Avez-vous reçu une déclaration écrite de Jean-Guy Hamel? Non, monsieur. Signée par lui? Non, monsieur. Tout ce que le témoin a pu raconter au capitaine Matt, étant inspiré par la vengeance à exercer contre l'avocat Maher, sont des informations viciées au départ et ne sauraient être communiquées au jury. De plus, toute personne employée par un avocat pour faire une enquête est tenue au secret et bénéficie des privilèges de la loi. Hamel est fautif, de 100 façons. Il est tenu au secret et il parle. Il sert deux maîtres. Il affirme des choses bouleversantes pour ensuite les nier avec des involtures. Toutes les révélations du témoin Hamel sont donc rayées du dossier. Par la suite, Hamel fut condamné à 5 ans de prison pour parjure. Déjà reconnu coupable plusieurs fois pour des délits mineurs, il était en fait un délinquant notoire. La commission royale a beaucoup enquêté sur ce témoignage. Après bien des analyses, elle en vint à la conclusion suivante. Ce fut sur les instructions de Coffin que la carabine que lui avait prêtée Jack Eagle disparut et ne fut jamais retrouvée. Le président Brossard blâma sérieusement la conduite des avocats de la défense et recommanda que des mesures disciplinaires soient prises par le barreau. Il me devait 30 cents pour Sam Wilson. Il m'a donné un 20 piastres US pour payer. Je lui ai demandé où c'est que t'as pris ça. Il m'a répondu que c'était des chasseurs qui lui avaient donné. Ensuite, il m'a montré un couteau qui a sorti de sa poche. Il y avait toutes sortes de lames après, cuillère, fourchette. Mais son argent, il était lousse, puis comme tout... dans un tapon, on va dire. Il a sorti ça, puis il m'a laissé un bon pourboire. Après son départ, j'ai trouvé 10 piastres en dessous de sa chaise. De l'argent américain. C'était le matin de bonheur. Coffin a payé la traite à tous les clients de ma barbershop. La bouteille de Black and White faisait le tour.
Coffin s'est fait chever à la barre, puis j'ai fait un show shine. Il était sur le party. Mais là, c'est un gros type. J'étais dans mon jardin, puis là, j'ai vu passer un camion. Il a traversé le chemin, puis il s'est ramassé dans le fossé. Là, j'ai vu un homme sortir par la fenêtre. Il chantait. Après, mon beau-frère est venu l'aider à sortir de là. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne un type bien ordinaire, une pièce ou deux. Ben non, il a donné 10 piastres. Je m'en allais vers Montmagny, puis j'avais un gars qui me flyait le long du chemin. Fait que j'ai arrêté, puis il m'a demandé pour le tirer du fossé. Fait que je l'ai remis sur le chemin. Puis j'ai dit, donne-moi 2 piastres, ça va faire. Prends 5, qu'il m'a dit. Il avait l'air pas mal chaud. Son camion était tout bossé. Merci. Pas d'autres questions, votre honneur. Mademoiselle Petrie, vous avez donné comme nom à la cour Marion Petrie Coffin. C'est exact, monsieur. Le nom de votre père est-il Coffin? Non. Êtes-vous mariée légalement à Wilbert Coffin? Non. Alors, pouvez-vous dire à la cour pour quelle raison vous vous faites appeler Marion Petrie Coffin? Objection! La couronne tente de contredire son propre témoin. Objection rejetée. Veuillez répondre à la question, mademoiselle. Je suis épouse de droit commun de Wilbert Coffin. Ah? Et qu'entendez-vous par là? Je vis avec lui depuis 7 ans. Et on a un enfant ensemble. Marion Petrie vit ici un drame que la loi épargne normalement au conjoint d'un accusé. Mais même aujourd'hui, ce ne sont que les époux légitimes qui peuvent se prévaloir du droit de ne pas témoigner l'un contre l'autre. Mademoiselle Petrie, où viviez-vous en juin 1953? Sur la rue de la Roche, à Montréal, chez ma mère. Depuis quand habitiez-vous à Montréal? Depuis mars de la même année. Mon fils avait des problèmes avec ses oreilles. Et je le faisais soigner à l'hôpital Children's Memorial. Avez-vous eu la visite de Wilbert Coffin durant le mois de juin 1953? Oui. Quand exactement? Dans la nuit du 14 au 15. Pouvez-vous dire à la cour quels articles Wilbert Coffin avait dans ses bagages? Je me souviens pas exactement. Ça fait trop longtemps. Allez, faites un effort, je vous prie. Ça fait plus qu'un an, ça. Désirez-vous rafraîchir votre mémoire en relisant votre témoignage à l'enquête préliminaire? Ça aiderait, oui. Bon. Alors, mademoiselle Petrie, avez-vous terminé? Laissez-moi lire. Pourquoi cette femme aurait-elle peu de temps pour relire son témoignage alors que les détectives ont pu utiliser leurs notes? Prenez votre temps. Alors, à part l'épicerie et ses vêtements, Wilbert Coffin a-t-il rapporté d'autres objets de Gaspé? Une paire de jumelles. Y avait-il autre chose? Mademoiselle Petrie? Un couteau avec beaucoup d'instruments après. Bon. Une paire de jumelles exhibit P25, un couteau exhibit P10. Reconnaissez-vous ces objets comme étant ceux que Wilbert Coffin avait avec lui à son arrivée à Montréal? Ça semble être les mêmes, oui. Pouvez-vous répéter votre question? Wilbert Coffin vous a dit qu'il aurait dépanné 3 Américains dans le bois, qu'il a amené l'un d'entre eux à Gaspé pour réparer une pièce. Ensuite? Que les Américains lui ont donné les jumelles et le couteau comme souvenir pour le remercier. Je n'ai plus d'autres questions.
Monsieur Sinnott, pendant l'opération de recherche pour retrouver les trois Américains, avez-vous remarqué quelque chose de spécial dans la façon d'agir de l'accusé? Coffin, à mon idée, il botchait un peu à job. Il restait plus ou moins autour de l'auto, dans le milieu de la route. Il est jamais allé du côté gauche du chemin, là où on a retrouvé les corps plus tard. Jamais. Avez-vous vu des traces de Jeep? Non. S'il y en avait eu, je les aurais remarquées. Pourquoi? Aurait-elle pu être cachée par celle des camionnettes? Oh non. L'espace entre les pneus d'un Jeep, c'est moins large qu'un véhicule standard. Un Jeep fait son chemin à lui tout seul. Ça roule pas dans les traces d'un camion. Merci. Monsieur Adams, vous avez participé aux recherches pour retrouver les Américains? Oui, comme volontaire. Pendant plusieurs jours. Avez-vous souvenance d'un incident qui serait survenu au camp 24 pendant les recherches? Oui. Il reste de l'eau dans le thermos? Laisse faire, j'y vois. Où est-ce qu'il est, le ruisseau? Bird Christ, il est déjà venu ici. Tu connais le coin autant que moi, tu sais bien où est-ce qu'il est, le ruisseau. Laisse donc faire, moi y aller moi-même. Où était situé ce ruisseau? À moins de 75 pieds. On pouvait facilement le voir, du camp. Merci. La poursuite a terminé sa preuve, votre honneur. La défense ne présentera pas de témoin. Du calme, s'il vous plaît! La séance est levée, il reprendra demain matin avec la plaidoirie de la couronne. Maître Maire, vous n'avez pas de défense? La défense a choisi de ne pas présenter de témoins. Nuance. Vous vous êtes absenté durant le procès pour aller interroger 85 personnes que vous avez dit, puis vous voulez pas les faire témoigner? Pas de commentaire. Mais... Dans tout procès pour meurtre, la défense doit prendre deux décisions stratégiques capitales. Va-t-elle présenter une défense et, si tel est le cas, fera-t-elle témoigner son client? De nombreux observateurs ont jugé la stratégie de Maître Maher très sévèrement. La commission Brossard s'est bien sûr intéressée à ce sujet. Maître Maher, y ayant comparu, déclara que tous étaient d'accord avec cette décision. Les autres avocats de la défense, la famille et Coffin lui-même. Un homme qui tue n'invite jamais de témoins à son exploit. Preuve circonstancielle que celle que la couronne a mise devant vous, évidemment. Sauf dans le cas d'un aveu, c'est toujours ainsi. Et en droit, j'affirme qu'une preuve de circonstance est aussi puissante et aussi irréfutable qu'aucune autre. Rappelez-vous de l'attitude étrange et coupable de Coffin. Souvenez-vous de son comportement pendant les recherches, où il a feint de ne pas reconnaître les lieux où il était pourtant allé. Souvenez-vous aussi de sa volonté arrêtée de ne jamais regarder du côté gauche de la route, là où l'on trouvera enfin les objets et les ossements des victimes. Autre mensonge capital, l'alibi inventé. La pire erreur de Coffin a été d'inventer un alibi. Un alibi ne s'invente pas. Dès qu'on imagine un alibi, c'est le mensonge qui entre en jeu. Quand Coffin parle de deux Américains en Jeep, vus avec le trio de chasseurs, il ment. Il veut diriger les soupçons sur d'autres personnes. Il oublie que la justice peut tout vérifier. Coffin est la dernière personne à avoir vu les victimes vivantes. Il y a entre ces trois cadavres et l'accusé un lien que celui-ci ne pourra jamais briser, qu'aucun esprit humain ne pourra jamais briser, c'est le vol qu'il a commis sur la personne. Des cadeaux? Allons donc. Le canif du jeune Lindsay comporte des particularités telles qu'on peut le reconnaître entre 100. Ce canif qui était un cadeau reçu à la veille de son départ, quelque chose auquel le jeune Lindsay attachait une importance capitale parce qu'il lui venait du Japon. Ce canif, où est-ce que vous le trouvez? Entre les mains de Coffin. Coffin vole ses victimes de certains objets qui leur sont chers et qui, nécessairement, devaient être sur la personne.
Et vous avez ses poches retournées de vêtements qui l'indiquent de façon claire, nette et précise. La défense dira peut-être Coffin a volé mais n'a pas tué. Autant dire un inconnu a tué pour que Coffin puisse voler. Si Coffin n'a fait que voler, c'est donc qu'il a été seul avec les Américains. Et quand, sur un groupe de 4 personnes, une seule est vivante, on est en droit de se demander par quelle main le trio a perdu la vie. Coffin s'est réfugié dans des explications boiteuses, dans des réponses confuses, dans le mensonge. Il s'est perdu lui-même. Le mot « meurtre » possède une éloquence tragique. Ce mot donne le frisson. La défense fera dans quelques heures appel à vos sentiments de sympathie envers la famille de l'accusé. Hélas, nous savons trop qu'il arrive à des familles d'avoir à rougir d'un de leurs membres. Mais il y a aussi d'autres familles que vous ne devez plus oublier. S'il est jamais question dans votre fort intérieur de sympathie, n'oubliez pas d'en avoir également pour ceux qui ont été les victimes et pour les familles qui les pleurent. Quand il y a un doute dans vos esprits, un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, vous avez le devoir et l'obligation de lui en donner le bénéfice. Parce que la société préfère encore plusieurs coupables en liberté qu'un innocent en punition, en prison ou à l'échafaud. Messieurs, est-ce qu'il y a dans la preuve circonstancielle un ensemble de faits qui détermine de façon certaine que Wilbert Coffin est bien celui qui a tué Richard Lindsay? Il n'y a aucun témoignage précis et déterminant sur ce qui s'est passé en forêt. Eh bien, ceci donne libre cours à plusieurs hypothèses, et en particulier à celle-ci. C'est que d'autres personnes que l'accusé ont pu se trouver dans les mêmes parages au moment du meurtre. On a fait grand état d'un certain couteau à plusieurs instruments qui a été trouvé en possession de Coffin. Messieurs, avez-vous la preuve que ce couteau était sur la personne de Richard Lindsay au moment où le crime a été commis? Les jumelles de M. Lindsay. Est-ce que Lindsay a porté ses jumelles avec lui dans les bois? Il est un fait certain, c'est que les victimes ont laissé le camion pour aller faire la chasse à pied. Ils auraient donc apporté le strict minimum. On a prouvé possession, mais est-ce que le vol a été prouvé? Les Américains ne sont pas revenus. Personne n'est venu prouver qu'il y avait réellement eu vol de la part de Coffin. Cette preuve n'a pas été faite, messieurs. Les savants confrères de la Couronne ont aussi fait grand cas du fait que Coffin avait dépensé d'une façon généreuse. Vous connaissez ça, des gens qui sont sous l'influence de la boisson, puis à un moment donné, ben, ils sont plus généreux que d'ordinaire. Est-ce que le fait d'avoir dépensé 2 ou 3 $ de plus ici et là donne une couleur au fait que Coffin aurait volé les Américains? On a fait grand cas également de ce voyage à Montréal. Mais de là à conclure que Coffin fuyait la justice, fuyait les lieux du crime, on ne peut pas. Est-ce qu'il a fui la justice, Wilbert Coffin? Mais il est retourné de lui-même à Gaspé. Il s'est rendu lui-même au bureau de la police. Il a participé aux recherches dans les bois. Il s'est prêté de bonne grâce au désir de la police provinciale. Un homme qui fuit la justice, messieurs, n'aurait pas eu l'attitude généreuse de Coffin. Lorsque vous avez devant vous l'accusé, et qu'après avoir regardé la preuve, j'allais dire la preuve imparfaite, mais en regardant plus profondément ce tissu d'invraisemblance présenté devant nous, j'en viens presque à la conclusion qu'il n'y a aucune preuve contre Wilbert Coffin. Ceci veut dire pour vous l'obligation et le devoir de le retourner à la liberté. Je terminerai, messieurs les jurés, en vous disant que demain, vous avez un rendez-vous avec votre famille.
Eh bien, n'oubliez pas que Wilbert Coffin en a un également avec la sienne. Messieurs, lorsque vous rendrez votre verdict, je suis sûr que vous le rendrez à sa famille et en liberté. Messieurs les jurés, vous allez maintenant vous retirer. Je demande, sans faire de sentimentalité, que la Providence vous vienne en aide, que le bon Dieu vous inspire. Accusé, levez-vous. Messieurs du jury, quel est votre verdict? Coupable. Non! Votre honneur, je n'ai d'autre choix que de demander la peine de mort. Wilbert Coffin, avez-vous quelque chose à dire avant d'entendre votre sentence? Wilbert Coffin, vous serez détenu jusqu'au 26 novembre 1954. Vous serez alors pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Ce n'est qu'en octobre 1955, sous forme de déclaration assermentée rédigée dans sa cellule par ses avocats, que Coffin donna enfin sa version des faits. Il regrettait de ne pas avoir eu de procès juste, admis avoir volé quelques effets des Américains, mais nia farouchement les avoir tués. De plus, il réaffirma avec vigueur l'existence de la Jeep. Qu'en est-il donc de cette fameuse Jeep dont on parle encore aujourd'hui? Jacques Hébert, dans ses livres, multiplie les témoignages de gens qui auraient aperçu une Jeep semblable à celle décrite par Coffin. Par contre, la commission Brossard conclut, et je cite, « Le véhicule américain que Coffin a prétendu avoir vu demeure toujours aussi immatériel. Aucune Jeep n'a pu être reliée par elle-même ou par ses occupants au véhicule décrit par Coffin. » Fin de la citation. La commission d'enquête a repris point par point les allégations de Jacques Hébert. Elle note qu'il n'a pas assisté au procès et n'en a même jamais lu les transcriptions. La conclusion de la commission, je cite, « Le procès Coffin n'a pas été une injustice, mais que l'affaire Coffin, telle que présentée par certains journalistes, en a été une. » La commission confirma donc le verdict du jury à l'effet que Coffin n'était pas innocent du meurtre dont il fut reconnu coupable. »